Madame Dumessé, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Parler Haïti. Aujourd'hui, c'est notre plaisir, notre occasion pour nous tourner sur la plateforme pour tes nouvelles Sabarou en détail. Salut tous les amis net qui toujours partagent les vidéos, les amis qui toujours like, qui toujours commenter, faire opinion au passé. Merci en pile, on continue à faire travail, on continue à commenter les vidéos. Madame Dumessé, aujourd'hui, là, je vais vous une vidéo à nous. Côté Rosemont Jean fait une grosse intervention aujourd'hui. C'est toujours nous dire ça, Rosemont Jean, c'est un mec qui compte parler et c'est un mec tout. Qui pas fait dénoncer, n'est qu'à faire désordre, n'est qu'à faire zac dans le pays. Je dis à la, heureusement, Jean lui-même, il dénonce, on l'autre fois encore, Jonas Kofi, qui c'est ministre de commerce là. Heureusement, Jean accusé ministre de commerce là, il dénonce comme si un monde qui a fait désordre dans le pays, qui a quitté dossier ZAM illégal dans le pays. Il parlait tout des dossiers opposition, côté opposition, c'est eux-mêmes qui a fait tout désordre dans le pays, côté sponsorisé bandit. Il y a plus d'armes illégales dans la main. Eh bien, nous parlons de ensemble et intervention, nous parlons de regarder l'intervention. Heureusement, Jean, dans l'écran là. Et heureusement, Jean lui-même, il fait une grosse intervention. Et nous allons passer là pour nous avoir plus d'informations, nous capables d'intervenir tout. Bon, heureusement, Jean, dans l'écran là, regardez là. Ok? Nous allons passer là et puis pour nous. Si nous avons une intervention, nous sommes capables d'intervenir ensemble tout. Ok. Regrouper plusieurs organisations, quatre batailles, pour permettre, tant qu'on nous dit, mission nous, ambition nous, l'objectif, il fait Napoumé, c'est pour nous voir comment, pour la paix, pour la tranquillité, sécurité capable de tourner en dedans pays. Mais, durant toute semaine, ça a eu tout pour nous voir, nous fixer, projeter nous, sous la douane, sous Poyo. Pour qui ça me dit la douane? Parce que moi, certain, j'ai une conviction que la douane, agent douanier, est-ce que par négligence, ou du moins par mauvaise foi, ou du moins par situation de corruption qui t'a ravagé le pays, est-ce que c'est à tomber, agent douanier, t'as la tête dans la corruption qui permet autant de armes, autant de munitions, capturer la population après 30 pays. D'abord, je te dis, les n'ont pas venu dans l'avion. Les amis n'ont pas sauté dans le ciel, ils tombé. Nous pas produit les amis. Voir pour nous dire, nous avons produit cartouches. Ça veut dire que côté, il a acheté cartouches là. Et côté cartouche là passé. Et pour le passer, il faut qu'il passe dans la douane. Parce que c'est faut qu'il vienne dans la valise. Pour le vienne dans la valise, il faut que l'agent douanier fait négligence. Ou du moins complice pour y entrer dans le pays. Et c'est ça que fait matin. Hein? Fonod a salué le directeur général douane au Cap Haïtien, hein? Ensemble avec le directeur général douane Malpass. Là. Pour qui ça, Fonod a salué direction douane ça, c'est le fait que y a tant de réel nom. C'est le fait que ils voulaient collaborer aujourd'hui par rapport à la situation de contrebande. Parce que toute munition qui est en train de payer, c'est contrebande. Et c'est crime. C'est des criminels qui ont fait contrebande en train de payer. Est-ce que le ministre a trompé de bonne foi? Ou du moins, est-ce qu'il a trompé de mauvaise foi? Moi, pas connu. C'est le ministre Jonas Kofi que nous connaissons qui a à peine monté dans la tête du ministère du commerce. Nous-mêmes, organisation qui a supporté, qui a travaillé, qui a goûté pour la paix, pour la sécurité dans le pays, nous disons, nous ne sommes pas mariés dans le pays, personne ne sauf nous avons aimé le pays rentrer dans un cadre, dans un état, côté de sécurité, côté de vacuer à l'occupation. Eh bien, qui ça, me reproche du ministère commerce? Ministère commerce, ministre, fait installer. Le ministre n'a pas pris connaissance de aucun dossier. Mais, bon bagage intéressé, moi, ministre en fait. Ça, moi, ministre en fait, qui paraît intéressé, c'est du fait que le ministre a peine installé. Premier dossier, ministre souli, l'a sous, l'a délivré, l'a libéré, l'a fait obstruction à la justice, l'a mis obstacle contre la justice qui fait saisie. Sous 500 000 litres d'alcool 95
qui pas gagné autorisation l'État haïtien pour te rentrer sous territoire. Nous te dénoncé ça, nous te déjà bail en conférence au premier temps pour nous te dénoncer premier cargaison Texas te rentré dans le pays. Bon deuxième qui vini, heureusement agent douanier Malpasio intelligemment, yo conscient des situations hein, que monsieur yo même yo paye taxe en République Dominicaine alors que la caille pas nous seulement vini avec tantio, yo seulement changer tête camion yo et n'a joine ça dans procès verbal que juge de paix commune Gantier fait pour constater contrebande. OK? Ça c'est procès verbal. Juge de paix commune Gantier deux conseils avec direction douane Malpasse dans cadre mission à service pour garantir sécurité pays a yo fait saisie sous conteneur ça sous texte ça qui te portait 500 000 kits d'alcool non conventionnel. Maintenant la justice saisit lui revient à monde qui termine avec contrebande pour la explication devant la justice. Eh bien Jonas Kofi m'a connaissé en Europe ou dis-moi c'est quelque raquette qui te gétant des documents ça nan men cap veiller pingo ministre installé. Mais ça qui fait mal, c'est le fait que le ministre antidaté autorisation que lui-même lui bail là. Parce que moi-même t'ai déjà dénoncé ça 7 mars, ministre vient bail autorisation 3 mars, c'est comme si compagnie ça t'ai autorisation pour te faire commande 500 000 litres d'alcool là. Mais ça qui est important que juge là et que ministre pas t'a fait tête de travail, c'est que lui bail autorisation avec yon entité qui est le Cabo Gaz SA. Cabo Gaz SA qui n'a numéro 30 rue Akil espagnol dans route Malpasse dans tout périmètre zone ça pas gain infrastructure pour recevoir 500 000 litres d'alcool ça. Même ministre alors que Alexander Ligno qui fait commandant Lydie adresse par ce Publin numéro 3. Dans Publin numéro 3. Là, on regarde dans Publin numéro 3, c'est un multiservice qui est là. De l'autre côté, monsieur a autorisation pour Cabo Gaz. Et comme si c'est à Cabo Gaz qui commandait 500 000 litres d'alcool là. Alors que Bilof Ledin, côté lui-même, il paye en République Dominicaine là. Il rentre sous nom Agathe Renin SA. Si c'est Agathe Renin SA qui rentre 500 000 litres d'alcool, eh bien, ministère commerce, puisque ministère commerce n'a pas autorisation, ministère commerce a pas autorisation sous Agathe Renin SA. Parce que c'est Agathe Renin SA qui vient avec un contrebande 500 000 litres d'alcool. Or, son façon, nous baille. Nous remettre la presse document ça pour constater question contrebande ça yo, parce que c'est contrebande ça qui fait n'a perdu 500 millions de dollars sous frontière. C'est contrebande ça qui fait dans tout quartier populaire dans tout pays aujourd'hui avec une situation de sécurité, il y a porté gaz, il y a porté armes, il y a porté munitions, il y a porté alcool, il y a porté produits expirés, il n'y a pas déclaré. Eh bien, nous-mêmes, matin, nous dénonçons ça. Une autre fois, ministère commerce, automatiquement, que la justice est saisie, ministère commerce de saisie. Ministère commerce, pas qu'à venir rentrer, venir faire obstacle à la justice, cap à travers direction générale, douane qui a fait travail, eh bien, c'est comme si. De pour que corps ou que doit faire n'importe bagaille et puis on que nos ministres en nos gouvernements viennent couvrir et c'est pour cette ça matin nous bail conférence ça pour dénoncer contrebande 500 000 litres d'alcool que Gago Gaz soi-disant a autorisation qui c'est faux et nous dit moun compagnie et non contrebande lui répondre au nom de Monsieur Alexander Ligno
c'est monsieur qui a une mission, qui a une responsabilité, qui rentre avec contrebande ça yo et verbalisé par le juge de paix de Gantier et nous demander ministère commerce pour le suspendre, pour camper et nous demander ministre Jonas Kofi pour quitter la justice pour travailler parce qu'il a fait pression pour permettre que l'alcool ça a joué une bosse alors que par contre, quelle fois si tu lui montrer côté au dit alcool ça a pralé qui capable recevoir 500 000 litres d'alcool 95 que nous qualifier de scandale que nous dénoncer et nous demander à ce que autorité qui impliquée dans contrebande ça pour halter là parce que pays a pas capable encore. Merci. Eh bien, madame, merci, c'est ça. C'était Rosemont Jean lui-même, côté le dénoncé, Jonas Kofi, avec tout le dénoncé, les actes qui étaient faits, côté condamné, m'était parlé avec nous, côté condamné, ça a été gagné pile d'âme là-dedans. Rosemont Jean, t'as demandé information, t'as posé question. Il était fait quoi? C'est opposition que t'as fait des autres, ça. Merci un peu tout le monde. Je souhaite nous commenter vidéo ça, pour nous, intervention, nous, pour nous dire qui ça nous pensait. Est-ce que Rosemont Jean lui-même, il a raison? Qui ça nous pensait de tout ça, le duo là? Et puis nous mettre quelque chose dans commentaire et puis moi-même m'a fait une réponse. Merci à vous pour tout le monde qui était vraiment patient, attendez pour intervention ça Rosemont Jean et nous mettre commenter après dans commentaire. Merci en pile et restez connecté au channel là si vous pouvez partager vidéo pour nous c'est la façon capable aider nous faire travail là partager vidéo les amis ou famille venez abonner avec nous. Merci en pile après dans l'autre vidéo bye tout le monde.